Le trésor des mots, scène 2, cahier d'activité. Je comprends seul, page 62. Le loup gris. Le loup est un mammifère de la famille des canidés. Est un parent proche du chien domestique. La femelle du loup est la louve. Son petit est le louveteau. Le loup hurle. L'habitat historique du loup gris comprend toute l'Amérique du Nord, du Mexique à l'Alaska et au Groenland. Toute l'Europe du nord au sud et presque toute l'Asie. Il a toujours été absent d'Asie du Sud-Est, d'Océanie, d'Afrique et d'Amérique du Sud. Les loups étaient jadis très répandus dans tout l'hémisphère nord, mais leur population a été décimée par la chasse d'une part, mais également suite à l'occupation de leur habitat par l'homme. Les loups gris sont des prédateurs, vivant et chassant en meute organisée selon une hiérarchie sociale stricte. La meute est dirigée par un mâle et une femelle. Ce couple est généralement le seul à procréer. Le lien entre le loup et le chien domestique est assez controversé. Certains voient le loup comme l'ancêtre direct du chien, tandis que d'autres considèrent que cet ancêtre serait plutôt le chacal doré. 1. De quelle famille le loup fait partie? Le loup fait partie de la famille des canidés. 2. Où vit le loup gris? Il vit en Amérique du Nord, du Mexique à l'Alaska et au Groenland, en Europe du Nord, au Sud et en Asie. 3. Pourquoi la population des loups a-t-elle été décimée? À cause de la chasse et l'occupation de leur habitat par l'homme. 4. Comment les loups s'organisent-ils? Ils chassent en meute. 5. Qui dirige la meute des loups? Un mâle et une femelle. 6. Y a-t-il une unanimité sur le lien entre le loup et le chien? Relève ce qui le montre. Non, certains le voient comme l'ancêtre du chien, d'autres considèrent que le chacal doré est son ancêtre. 7. Complète la fiche d'identité du loup gris. Famille, les canidés. Femelle, la louve. Habitat, l'Amérique du Nord. L'Europe, l'Asie. Petit, le louveteau. Cri, le hurlement. Régime alimentaire, souris, cerf, lièvre, renard, oiseau. Reptile, batracien. 8. Pourquoi, à ton avis, les loups chassent-ils en troupes organisées? À mon avis, pour augmenter leur force et chasser des proies plus grandes comme le bison d'Amérique. 9. En 3 ou 4 phrases, décrit le loup gris. Le loup gris a une fourrure grise. Ses griffes sont comme des lames. Son nez pointu. Ses oreilles sont dressées. Ses pattes sont longues.